Bon, on est là pour la dernière partie, donc la partie 10 de la BCS Vitellus de Gran Turismo 3 Half Beginner, donc la moitié du mode Beginner. Donc nous y sommes, nous sommes rendus à la fin de Half Beginner à la moitié du mode Beginner, t'sais. Donc à Half Beginner, donc d'où vient le terme anglais. Donc on s'était laissé ici sur, je crois bien que c'est la voiture qu'on a gagnée. Allons-y, maintenant nous allons faire la dernière course, donc allons-y. Donc, nous allons aller à Go Race. Bon, je vais monter un peu mon son. Tiens, comme ça devrait être bon. Je crois que c'est bon, parfait. Peut-être baisser un petit peu, tiens, une dernière. Comme ça, ça sera mieux. Parfait, parfait. Donc, Beginner League. C'est ce qu'on doit faire. Donc, voyons voir. Donc, nous sommes rendus à Spider Roadster. Roadster. Voyons voir, qu'est-ce qu'on doit, on a besoin d'un S2000, Miata, bon, voyons voir, S2000, Speedster, Cobra, ok, Cobra, Speedster, S2000, voyons voir, me rappelle plus déjà, Spider, pas Spider, Speedster, Cobra, donc, Cobra, ça devrait être, Aston Martin, non? Non. Bon, nous allons regarder. Si on a qu'on trouve la voiture qu'il nous faut. Non, pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Elise, Esprit, non, pas Esprit. Elise encore, non. TVR, c'était le Griffith 500. Donc, on peut utiliser celui-là aussi, j'ai remarqué. On va avoir 440 chevaux. Donc, quelque chose à penser. Parfait. Donc, au moins, nous avons trouvé 340 chevaux. Bon, gilet. Non, je ne crois pas qu'on peut utiliser ça. Bon, Australie. Pickford. Non. C'est pas ça. Italien. Bon, on va aller en Italie. Voyons voir. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, nous allons regarder jusqu'à là qu'on trouve la voiture qu'il nous faut. Nous allons regarder. Non, pas celle-là. Non, pas la Zenda. Pas la Pagani Zenda. Bon, nous allons aller en France. Tiens, pourquoi pas quelque chose en France. Mais bon, on va bien voir. Non, j'ai dit aller à droite. Allez. Tiens, voyons voir. Donc, je me suis acheté une. Ça fait un peu longtemps, l'année passée. Je m'étais acheté une nouvelle manette de PlayStation 2. Peut-être que je vous ferai une vidéo. Je pense que je n'en ai pas fait encore. Donc, je viens voir. S4. Donc, on est rendu à la fin de la BCS Vitellus. C'est quand même assez bon. Quand même très intéressant. C'est le cas. Non, c'est pas celui-là. Propel. Speedster. On va y en voir. 144 chevaux. Quoi? C'est un FR? MR. Quoi, c'est un MR? En tout cas. Eh bien, le Speedster ne fonctionne pas très bien, je crois. Bon, ref. Pour mes 400, non. Et on va voir. Non. Bon, eh bien, je crois qu'on va prendre. Non, on va laisser faire. Ça va prendre cette voiture. Où est-elle encore? Dans TVR. Donc, on va prendre la Griffith 500. Donc, allons-y. Fois qu'on attend ce son là. En tout cas, j'espère que je vais chercher cette voiture pour rien. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste vite faire regarder pour voir si elle respecte les restrictions. Donc, nous allons regarder vite fait. Okay. Parfait. Bon, nous allons maintenant l'améliorer au maximum. Ben, presque au maximum en fait. Okay, nous allons le laver même. Okay. Elle doit reluire un peu. La laver et la cirer. Voilà, nous allons changer l'huile. Ça va nous donner quelques chevaux de plus. Toujours mieux. Toujours bon. Voyons voir, tout une shop. Donc, suspension et... Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, attendez une seconde. C'est parce que mon enregistrement... Qu'est-ce qui s'est passé à l'enregistrement? Est-ce que c'est toujours là? Ah oui, c'est toujours là. Il n'y a pas une raison, c'était enlevé. Bon, j'ai un peu moitié niveau de son, j'ai fait quelques vidéos récemment, donc
Je crois que le niveau de son devrait être correct. J'ai fait quelques petits tests. J'ai pas mis trop haut. Donc, c'est pour dire. Donc, oui, je me demandais que c'était arrivé à mon échelle d'enregistrement. Mon Dieu. Donc, bon. Allons acheter les suspensions. Toujours bon, j'imagine. Tiens, voilà. Surtout qu'on a, on a beaucoup d'argent, donc on peut se le permettre. Tiens, voilà. C'est surtout grâce à les courses, dans, la course d'endurance que j'ai fait. La course que j'ai faite. Bon, achetons ça ici, tiens. Parfait. Ok, on peut avoir le stage 3, le niveau 3, donc. Voyons voir si on peut avoir un turbo. Non. Bon, parfait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons acheter le NA, donc le moteur. C'est parfait. On va acheter le port and polish. Parce que dans Rivals Mode 2, ça s'appelle le port and polish. Pourquoi il appelle ça juste le port polish? Tiens, voilà. Full engine balancing. Et la racing chip. Parfait, 621. Donc, nous sommes rendus au niveau maximum de chevaux. C'est parfait. Nous allons acheter la transmission. Tiens. Le triple plate. Clutch triple plate. Nous allons acheter la flywheel racing. Parfait. Le drive shaft. Je vais le garder là pour tout de suite. J'ai pas besoin vraiment. Faut tout de suite, je me rappelle bien. C'est pour apparaître. Par contre, il faudrait que j'y aille un jour. Tiens, et voilà. Et on va acheter les méthodes pendant qu'on est ici. Tiens, c'est aussi bien. On est aussi bien. Parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Le turbo, il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien. Donc, dans les pneus, nous allons acheter le Super Soft, tiens. Dans les pneus de course. Si, ultra tank, tiens, parfait. Donc, tout ce qu'il nous fallait. Parfait. Allons-y. Faisons la dernière course de Half Beginner. Donc, la moitié de la Ligue Beginner. C'est comme on peut voir. En tout cas, je sais pas si c'est la moitié, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Donc, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, c'est pas mal la moitié. Enfin, presque la moitié. C'est parce que j'ai déjà fait les années 80. Je voulais pas que ça s'arrête à 11 parties, je voulais faire vraiment 10 parties. J'aurais pu m'arranger que ça l'arrête là, mais bon. Donc, voyons voir. Aucune limitation, parfait. Ah oui, c'est parfait, il y avait Terny B, c'est pour ça que je m'étais arrêté là, je m'en rappelle maintenant. Ça fait un peu longtemps. Donc allons-y à Deep Forest. Bon, parfait. Donc voyons voir. C'est ligne, nous allons arranger les gears. Attention. Tu vois, c'est... Ah oui, tu peux avoir le compresseur. Ah ben, je ne savais pas. Si je l'aurais su. Ben, j'ai pas maintenant, j'ai pas regardé trop. Mais ça, est-ce que ça le disait? Je pense que oui. Et voilà, parfait. Comme ça, c'est bon. C'est parfait. Donc, quittons. Et, ben, jouons, j'imagine, hein. Il ne reste plus qu'à jouer. Donc, allons-y. Et on vient voir si nous allons, gagner, j'imagine que oui. On mettrait tant mieux, ça fait une nouvelle voiture à... Une nouvelle voiture, tiens. Parfait, tiens. Nous sommes déjà les premiers, donc je crois qu'on va être bon. Je crois qu'on sera... On sera bon. Pour ces courses-ci. À part si on met une Viper, non, pas, je pense pas qu'on va la battre. Mais bon, ça tourne quand même assez bien. J'ai dit ça, mais non, ça tourne pas trop bien. Bon, ça glisse plutôt que plus qu'autre chose. Je pense que j'ai des pneumatiques ultra tendres. Mais ça glisse pas trop. Ça tourne bien quand même. Je pensais pas que ça allait tourner aussi bien. Parce que on va pas trop vite, c'est pour ça. Si on utiliserait la fin, on va beaucoup plus vite et on tourne vraiment mieux. En tout cas, je pense qu'on l'avait essayé dans Deep Forest, la fin. Je me rappelle bien. Je crois. Mais pourquoi ils ont pas mis le High Speed Ring et... Il y avait une autre course aussi, je pense que c'est Autumn Ring, donc l'anneau de l'automne. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. C'est étrange. Il dit quelque chose aussi qui peut être étrange, c'est que par exemple Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Pirates of the Tasmanian, Sly, non, laissez faire Sly.
Tous ces jeux ont été en français, sauf que Grand Turismo, Metal Gear, Sly Cooper n'ont jamais été en français. Donc, par exemple, Sly 3 et tout ça, même le 1 et le 2, j'aime un peu mieux la version anglaise. J'ai joué, mais j'aime vraiment beaucoup la version française, mais peut-être j'aime un peu mieux la version anglaise, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les jeux ont toujours été en anglais, c'est un peu comme... Parce que je pensais que Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 2 en anglais, s'ils auraient mis ça en français, bon, je pense que je l'aurais aimé mieux. Mais dans le temps que je comprenais rien. Mais dans le... La chose qui est, c'est que lorsque j'ai eu le jeu, lorsque j'ai eu les jeux, donc Sly Cooper, tout ça en français, tout ça, je savais déjà parler en anglais, donc je comprenais déjà ce qu'il disait en anglais, donc j'avais déjà un petit côté de plus pour la version anglaise. Mais à mon avis, les deux versions sont quand même complètement excellentes. Pour Ratchet & Clank, par exemple, les deux sont complètement excellents. Je préfère mieux la version PlayStation 2, par contre, parce que l'acteur de Ratchet, la version PlayStation 2, avait mis un peu plus de... avait mis quelque chose de lui-même dans le personnage, ce qui donnait des dialogues uniques, mais pas dans la version anglaise et dans les autres versions. Par exemple, dans Jak and Daxter, je crois vraiment que la version française est meilleure que la version anglaise. Je trouve vraiment que les voix sont un peu étranges. Donc, c'est pour dire. Je sais pas pourquoi ils ont mis la tout en français. C'est vraiment apparu rendu à Gran Turismo 5. J'imagine que c'est un petit problème d'NTSC, tout ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'espace pour mettre la langue française, un peu comme maintenant que les Blu-ray ont tellement d'espace. Même si, en ce moment, sur le PlayStation 4, les Blu-ray servent juste à un disque d'authentification. Juste à mettre le disque, juste pour dire que on appartient au disque. Parce que ça ne lit même pas le contenu du disque. Ce que je trouve qui est étrange, parce que si on lit pas le contenu du disque, est-ce que ça devrait pas aller plus vite? J'imagine que non. Parce que j'imagine que le disque dur, c'est un disque avec un... C'est pas comme un Super Nintendo, j'imagine. Ou est-ce qu'un Super Nintendo, ça utilise des cartouches, ou est-ce qu'il n'y a aucun disque? En tout cas. Allons-y. Bon, nous sommes dans la test course, donc ça va prendre un peu de temps pour la terminer, mais bon. Une course extrêmement facile, j'avais grindé un peu cette course-ci pour avoir plus d'argent pour m'acheter, je me rappelle bien, c'était quoi encore, le Mitsubishi 3000 GT, je crois. Ou je pense que c'était le Lancer Evolution, ou quelque chose du genre. Ou peut-être c'était la 3000 GT, je m'en rappelle plus. En tout cas, je l'avais acheté une fois avoir fait environ comme 10-20 courses. Je l'avais tout amélioré aussi. Et c'est là vraiment que j'ai pu commencer à vraiment faire des meilleures courses. Après ça, j'ai fait le permis S. Après ça, je me suis pris le 7-8-7B dans la course Like the Wind. Et rendu là, ben bien, on peut faire absolument toutes les courses rendu là. C'est des courses qui donnent beaucoup d'argent, donc une ou deux courses nous permettent d'avoir quelques 100 000, qui nous permet d'acheter plusieurs voitures et faire plusieurs autres courses. Et voilà. Donc la puissance maximale est environ à... Oh, on peut monter le plus, parce que c'est à 208. Ouais, on voit, 213, 214, 215, 216, 217. Donc c'est 217. On va aller à 217 000 à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des 1000 à l'heure, c'est des kilomètres-heure. Je l'avoue parce que c'est une unité américaine. Avant, je me rappelle bien, au Canada, c'était des 1000 à l'heure, mais ils ont changé au kilomètre-heure. Je ne sais pas si longtemps que ça, mais ça fait environ 20-30 ans, quelque chose du genre. Voilà. Voyons voir si on peut aller même plus vite. Voyons voir. On était rendu à 217. On va bien voir. 15. 216. 217. Oh. J'ai pas bien vu. Je pense que
Je vérifierai au montage, mais je pense que c'est vraiment 217. On peut probablement pas aller plus loin que ça, à part qu'on est juste en ligne droite. En ligne droite. Mais je ne crois pas. Donc, en tout cas. Ça prend quand même 2 minutes pour faire un tour, c'est quand même beaucoup, avec cette voiture en tout cas. Eh bien. Donc voilà, voyons voir si on peut aller plus rapidement comme ça. Voyons voir. Je ne sais pas, j'essaie de garder la vitesse un peu dans la courbe, donc nous allons bien voir. Le moment de vérité. On va bien voir 216 et 217. 218. Voilà 218. Ou presque 219. Donc j'ai 218, 219 c'est la minute plus avant. Donc au moins on a découvert ça. Pas si mal que ça. On va essayer de faire un genre de défi. Nous allons essayer de. Pas un défi, mais nous allons essayer de rester en haut des 200. Parce qu'on fait la courbe. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc on va terminer cette course-ci aussi. C'est parfait. Donc 3 minutes 56 secondes. C'est plutôt 3 minutes 57. Mais bon. Mais bon. Donc quittons. Et quittons encore. Okay, et voilà. Donc il ne reste plus que la dernière course. De l'art beginner. Bon, j'aurais pu faire le mode beginner complet, mais bon, ça aurait pris beaucoup trop de temps, à mon avis. Donc, allons-y. Donc, on est rendu à Grand Valley. Eh bien, allons-y. Donc, je pense qu'on a, vu qu'on le fait en deux, je crois que c'est en prime, je crois, donc, ou quelque chose de genre, donc, en tout cas, c'est pas en prime, mais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le niveau à l'envers. Le niveau. La course à l'envers, plutôt. Allons-y. Grand Valley est aussi une course qui dure quand même assez longtemps. Je me rappelle bien. Ça fait longtemps un petit peu que j'ai joué à Gran Turismo. Je veux dire, sans ABC Socialis. En fait, j'ai jamais joué depuis la dernière partie de l'ABC Socialis, vraiment. Depuis le. La sixième partie, il y a pas quelque chose de genre. Parce que vraiment, je sais pas, j'imagine parce que j'ai beaucoup d'autres jeux à jouer. Souvent, je joue beaucoup à Zombie. J'ai fait. Bon, en tout cas, j'étais presque rendu au secret, sauf que, eh bien, au Easter Egg, comme on dit. Mais, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une erreur. Je me suis fait expulser. Je joue en ligne. Je sais pas, c'est complètement étrange. En tout cas, j'ai juste rendu où est-ce qu'on doit tirer le globe terrestre, tout ça, le téléphone lorsque ça brille, tout ça. Enfin, ça brille lorsque une lueur électrique. Donc, je t'ai pas rendu loin non plus, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Final Fantasy, il faudrait que j'y rejoue. Je me suis vraiment pris dans Black Ops dernièrement. Un zombie. Faire un BC16 sur Final Fantasy, sauf que j'ai eu quelques difficultés la dernière fois que je n'ai pas tant. Bon, je devrais peut-être pas dire ça parce que je crois que cette vidéo, lorsqu'elle sera uploadée, on sera même pas rendu là encore dans les BC16, je crois qu'on sait même pas si on va être rendu à Castlevania encore, j'en dis pas plus. Je ne sais pas. Lorsque cette vidéo est uploadée, est-ce que vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Oui, j'imagine que vous allez voir le BC16 de Jack and Daxter. Sinon, ben vous allez. Sinon, ben vous allez. Non, mais. J'imagine que vous allez au moins avoir vu le BCS test Jack 3. Un BCS test que j'ai vraiment aimé faire. Je crois que j'ai même pas eu assez de temps de vous le dire ce que je voulais dire. Et rendu là, en ce moment, j'ai plus aucun BCS test en réserve de suite à Jack 3. Donc, je vais faire le prochain BCS test assez rapidement. Parce que rendu, j'imagine qu'au mois de mai, à partir de là, c'est 4 BCS tests. Donc, par mois, donc jusqu'à la fin. Donc, un BCSS par semaine. Quand même fou. Non, je peux quand même le dire. Et ce sera. Ça ne remplacera pas aucune vidéo.
Donc, ça sera un autre jour. Donc, ben, un autre jour, vous allez bien voir. Je vais vous montrer, je vais vous dire. Donc, en ce moment, c'est le mercredi et dimanche. Donc, le vendredi. Mettre le vendredi. Oui, le vendredi, tiens. Nous allons mettre le BCF6 le vendredi. Donc, tous les vendredis à partir de maintenant. Tous les vendredis. Peut-être que je devrais faire tous les 10. Hein. Encore mieux, oui. Donc, ça sera mieux comme ça. Donc, tous les 10, le 20, le 30. Alors, ça va fonctionner comme ça. Donc 10, 20, 30. Ce ne sera pas le 1, rien de ça, ça va être le 10, le 20, le 30. S'il n'y a pas de 30, ça va être le premier, tu sais. Comme un peu le mois de février, mais il devrait avoir tous les 30, donc ça va fonctionner comme ça pour le moment. Donc 10, donc le 10, le 20, le 30. Ah, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pensez à ça, parce qu'il y en a 4, il n'y en a pas 3. Donc le 1, le 10, le 20, le 30. Ça ne va pas fonctionner comme ça non plus. En tout cas, je verrai bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le. Je vais compter tous les jours dans le mois et je vais diviser tous ces jours en 4 et on a. Je devrais avoir l'alternance, les mémoires. En tout cas, vous allez avoir fini quelque chose du genre peut-être tous les 8 ou 9 jours probablement. En tout de ça, j'imagine. Que je pense. Parce que je pense qu'il y a plus que 14. Il y a plus que 28 jours dans le mois. Donc ça va être vraiment à tous les 8 jours. Quelque chose du genre. Donc vous allez bien voir. Ok, voilà, nous avons terminé la course et nous avons terminé le mode de Half Beginner. Mode, c'est pas un mode, c'est plutôt une restriction que je me suis imposée pour éviter que ça dure trop longtemps parce que le nouveau jeu que je vais vous montrer dans la prochaine BCTLUS, donc juste, je crois que ça sera juste après ou quelque chose du genre, sera assez intéressant. Je peux quand même vous dire. Ah, voyons voir notre dernière voiture qu'on a gagnée. Voyons voir. Pas si pire que ça, c'est Mazda Miata, je crois. Pas si pire. Alors, finalement, c'est pas incroyable, mais bon. Mais bon. Donc, nous avons terminé toute la BC du Solis. Donc, et voilà. Je pense pas que je revisiterai le jeu. Plus jamais, mais je pense pas. C'est plus un jeu en réserve que je pense que ce serait pas un jeu, mais une extension d'un jeu que je vais faire plus tard. Que si encore je n'ai pas assez de parties BC du Solis, que je pourrais faire. D'abord, juste étendre les parties jusqu'à quand qu'on arrive rendu au 1er octobre ou est-ce que. Rendu au mois d'octobre, où est-ce que vous allez voir où est-ce que je vais vous dire tout de suite, vous allez avoir une vidéo non, j'en dis pas plus vous allez voir rendu là est-ce que je vous dis? Ben, je peux bien vous dire vous allez avoir une vidéo par jour jusqu'à la fin donc c'est quand même assez bon donc vous n'aurez pas les deux vidéos par jour le dimanche et le mercredi vous allez avoir une BC du Solis je peux bien vous dire, tiens, toute la semaine. Et la fin de semaine, vous allez avoir des vidéos normales. Donc, les deux vidéos normales. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser ici pour cette vidéo Solis. Donc, cette Bad Company Special Video Solution. Donc, ABC Solis de Gran Turismo 3, la moitié du mode beginner que nous avons accompli. Et, bon, on va se laisser sur la Miata. Non, nous n'allons pas nous laisser sur la Miata, nous allons nous laisser sur la F090. Hein. Sur un bon vieux F1. Donc, c'est tout pour la ABC Solis. Nous allons nous revoir pour la prochaine, qui sera très très intéressante, sur un jeu très récent. Très 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 récent. Très récent. En tout cas pour moi. En tout cas moi, il sort bientôt, je peux bien vous le dire. Et j'ai hâte d'y jouer. Et ça sera assez intéressant. Parce que je planifie de mettre quelques petites musiques intéressantes. J'ai enlevé quelques musiques. J'ai enlevé les musiques du jeu. Et je vais mettre, vous allez voir d'autres musiques. Vous allez voir. Ça sera... comme ça, vous pouvez vous imaginer quoi, ils vont enlever de la musique, mais non. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Il n'y aura aucune vie de Solus ou quelque chose de ce genre encore que j'aurais fait. Ou même de, comme on dit, des walkthroughs, j'imagine. Je ne peux pas y jouer lorsque le jeu va sortir parce que je ne connais pas le jeu. Je ne peux pas faire la langue de la BCS Solus. Ce serait une BCS découverte. Mais bon, je peux vous dire que j'en fais déjà une. Et qu'elle sera uploadée, eh bien, vous l'avez déjà vu, je crois, non? Celle de, j'imagine que vous l'avez déjà vu, celle de Zone of the Enders. En tout cas, j'en dirai pas plus. Donc, on va se voir pour une prochaine vidéo. Donc, au revoir.